négociation. Bon brèche qui a sorti Canada, la passe Cité Soleil, la passe Café Toi-même, la privée qui a pour l'aéroport. Bon l'autre brèche qui a sorti Quoi Jérémy, la passe La Saline, la passe Bernadette, la passe Pellet, la privée qui a pour l'aéroport. Mon troisième branche, qui a sorti Tesco, la personne de Massé, la personne Pellet, la privée c'est Jean-Pierre. Mon quatrième branche, qui a sorti Capou, la passe Fontamara, Matissan, la Caïmouin, la privée Place Constitution, la montée Lalu, la montée Boudon, la montée Petionville, la privée Pellerin. Mon cinquième branche, qui a sorti Cadavé Vert, la présence de Place Constitution, pour remonter Lalu, Boudon, Petionville, Pellerin ensemble. Mon sixième branche, la privée Place Constitution et la passée Canapé Vert, Juvena, Petionville, la montée Pellerin. Pour le branche, Capsotica des Bouquets, Tabac, la passée Capurita, la passée Outre-Frère, la passée Péguiville, la montée Petionville, la montée Pellerin. Pour le branche, Capsotica des Repos, la passe Café Pressé, la passe Café Rita, la passe Café Gérald Bataille, Delma 33, la montée Petionville, la privée Pellerin. Café Aéroport, la passe Petionville, tout le monde a mon château. La personne Pellerin, la personne Félicitations, par le peuple haïtien. Ça fait 2 semaines, le peuple a mobilisé. Le peuple a mobilisé dans tout département. Le peuple a mobilisé dans toute ville. Le peuple a mobilisé même dans la section communale. Et le peuple a porté 3 revendications. Le peuple a dit, démission Jovenel Moïse, sans petit temps, pas de négociation. Question d'émission Jovenel Moïse. Message peuple à clair. Deuxième message peuple à beauté. Ce procès de Cocalibé, procès de Valor, procès Sofidaï, le procès de la corruption. Parce que peuple a dit, la corruption, c'est lui qui est victime, c'est lui qui paye l'hôpital, c'est lui qui paye l'école, c'est lui qui paye à manger, c'est lui qui paye la caille pour le dormir. Troisième message peuple à beauté. C'est conférence nationale là pour nous faire, pour nous casser le système d'exclusion ça, ici m'a émisé dans 4 pays, pour nous construire un autre État, une autre société, dans l'intérêt de tout le peuple ici. Mais ça, le peuple a clé, mais ça, le peuple a pas de négociation avec Jovenel Moïse. Pendant 2 semaines de mobilisation ça, nous gagnons 11 monde, nous répertorions qui mourir. Nous avons 200 personnes qui blessés et nous avons 120 personnes qui jouent à l'arrestation. Je dis à clair, la police a adopté un comportement antidémocratique. Par exemple, avant-hier, ça fait 3 jours, dans la ville Saint-Marc, dans l'occasion de manifestations pacifiques, la police tirait sur Mounio et nous avons un bilan extrêmement lourd. Nous avons plus passé 12 personnes qui sont blessés. Cela est inacceptable dans une démocratie. Ce n'est pas le rôle de la police nationale d'Haïti. Au CAI, la police blessé nous. Et hier, à Port-au-Prince, notamment à Pétionville, la situation était inacceptable. Nous gagnons des images, nous gagnons des témoignages. Il y a des gens qui rapportaient que le commissaire de police de Pétionville, avec sa troupe, nous font usage excessif de violence, des gens qui blessés. Et qui ça nous décide? Nous dit, nous ne pouvons pas accepter que la police tourne
d'un instrument de répression politique pour qu'il y ait Jovenel Moïse au pouvoir, parce que le peuple a rejeté Jovenel Moïse comme chef d'État. Et c'est ça que nous décidons lundi matin, n'a pas de plainte contre Paul Ménard, n'a pas de plainte contre responsable de la police. C'est là, n'a pas de plainte contre les membres du état-major de la police nationale d'Haïti, notamment M. Rameau, pour violation des droits humains, assassinat, abus d'autorité. Et cette plainte sera déposée directement au cabinet d'instruction, parce que nous ne pouvons pas quitter Jovenel Moïse, prend la police là, pour le faire tourner un instrument de répression pour le mettre en face du peuple là, alors que le peuple là, il y a des revendications qui légitiment, revendications du peuple là. Demain, vendredi 27 septembre 2019, c'est pour une journée de mobilisation nationale, avec une mobilisation dans 10 départements géographiques. Le message là clair, peuple haïtien déterminé pour renverser Jovenel Moïse au pouvoir. Et le peuple a renversé Jovenel Moïse. Après plus passer 2 ans, Jovenel Moïse au pouvoir, insécurité augmentée, misère peuple a augmenté, corruption augmentée, désordre augmenté dans l'État, nous pas quitté Jovenel Moïse au pouvoir. Et moi, je voulais parler avec le secteur privé. Ma petite secteur privé, mon bagage qui crée Jodia pour comprendre. Jodia, si bon monde qui a provoqué violence dans le pays, il y aurait le Jovenel Moïse. Si bon monde qui a mené le pays dans le chaos, il y aurait le Jovenel Moïse. Si bon monde qui a mené le pays dans le déchoucage que nous-mêmes nous ne pouvons chercher, c'est Jovenel Moïse. Parce que nos chefs d'État constatés, le peuple a levé campé dans 10 départements géographiques du pays, dans toute ville. Pour m'en démissionner et puis on décide où tu ou pas de démissionner, ça les provocations. Aujourd'hui, secteur privé, nous invitons qui nous rejoignent le peuple haïtien, nous rejoignent la population dans la bataille la semaine pour satisfaire aux revendications. Secteur privé, nous comprenons. Aujourd'hui, si bon monde qui a mené le pays dans des ordres, si bon monde qui a mené le pays dans des blousailles, il y aurait le Jovenel Moïse. Et le mec qui a fait discorde là, c'est Jovenel Moïse. Et la communauté internationale doit comprendre. Et moi je l'ai dit, communauté internationale n'a pas de droit continuer à supporter le président que le peuple a voté. Parce que le peuple a sorti dans la rue dans tout le pays là, pour le moment où le chef d'État a démissionné, c'est l'exercice de la souveraineté populaire. Ça a plus fort quand l'élection qui était faite, côté Jovenel Moïse fait 500 000 votes dans la rue. Je dis à le peuple a retiré tout soutien que gagne Jovenel Moïse. Jovenel Moïse n'a pas de légitimité, il n'a pas d'autorité, la communauté internationale n'a pas de droit de continuer à supporter le président, que le peuple a rejeté la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. Le peuple a dit qu'il faut que Jovenel Moïse aille, il faut qu'on aille, et personne ne peut pas dire non. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que nous faisons notre pays.